choucroulou, ici Lopina pour l'épisode numéro 23 du Bad Challenge, un challenge créé par Niska34 que je fais en duo avec Elancia. Et avant que la vidéo commence, je voulais vous donner une petite information. J'ai mis à jour tout l'accueil de mon YouTube, donc j'ai bien fait des catégories avec des playlists différentes, etc. pour que vous vous y retrouviez, pour que vous ayez plus de visibilité sur mes vidéos récentes ou anciennes. D'ailleurs, j'ai fait du tri dans les vidéos qu'il y avait sur ma chaîne. J'en ai supprimé beaucoup, à peu près 200. Voilà, voilà, vous savez tout. Sur ce, je vais arrêter de blablater et on se retrouve in the game, dans le jeu. C'est parti. Heureux, donc nous voilà en jeu. Je sais pas du tout ce qu'Elancia a fait. Est-ce qu'elle a un peu aménagé la maison? Pas du tout, je ne sais pas. On a de l'argent en tout cas, ça c'est cool, ça fait zizir. Que font nos Sims? Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Bad Challenge. Je crois que je sais même plus comment on joue, je vous avouerai. Et au moment où je tourne, mes chats font les cons. Bah oui, normal. Donc eux, ils sont enfants, c'est cool. Bon, attends, déjà, on va mettre play. Alors, ce qui se passe. Bon, Jean-Claude est revenu, donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il a? Attendez, me dis pas qu'il est en train de crever. Jean-Claude, il s'est évanoui? On dirait qu'il est exténué, la pauvre bête. Mais qu'est-ce que tu lui as fait faire, Elancia? Mais vous voyez, il est en train d'haleter, là. Ah. Mais il va mourir de fatigue, hein. Je sais pas si c'est possible, mais... Pourquoi il y a des plats partout par terre? Marwa, va faire la vaisselle. Steven, oh là là, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'elle a fait, Elancia? Oui, bon, lui, il est endeuillé, on s'en fout. Vas-y, va dormir, Jaco, là. Allez tous dormir, parce que franchement, vous êtes pas frais. Hein. Alors, pourquoi ça bug? Je ne sais pas, c'est chiant. Allez, on va suivre. Pourquoi elle est encore endeuillée? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, mais va pas faire les plantes, espèce de teuteux, t'es complètement crevé. Oh putain, j'ai eu peur. Jean-Claude, arrête de me faire peur! Oh non, il est malade. Fais chier. Bon, tu peux arrêter de jouer au PC et aller te coucher. Oh, l'autre, elle est triste. Ah non, mais c'est la teuf, là. C'est la grosse teuf au village, hein. Hop, on va mettre ça. Quoi, il y en a encore? Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, mais fais la vaisselle, Marwa. S'il te plaît. Donc là, elle fait tout le tour de toutes les chambres, tous les coins et les recoins. T'avais chopé le gros tas de... Bah non. Marwa, sois utile. Dépêche-toi. Bon, elle dort, ils dorment tous, ça c'est bien. Après, tu vas t'occuper des plantes. Arroser avec ses larmes, non mais ça va. Elle est triste à cause de Vladistros, je pense. Oh, c'est chiant. Oh, on peut faire évoluer. Cool. J'aimerais bien voir où elle en est de son truc. Maîtresse vampire. Vaincre 3 vampires au combat. Bah écoutez, on va aller faire ça. On va aller voir Caleb et sa sœur, là. Et on va aller essayer de les battre au combat dès qu'elle aura fini d'arroser les plantes. Et elle, tu l'arroses pas? Bah arrose-la, espèce de teuteux. Pourquoi elle veut pas l'arroser? Mais elle est con ou quoi? Mais pourquoi? Mais arrose-la! C'est quoi le bordel là? What the fuck? Si on la met là. En plus, c'est un buisson de mur, alors vaut mieux que ce soit arrosé. Bah voilà, donc là, ça marche. Ok. Bon, tout le monde dort. On va gentiment se casser. Et on va aller voir Caleb et sa sœur. Je vous reprends là-bas. Heureux, mes choucrouloutes. Alors, on va y aller. Frapper à la porte. Bonjour, Caleb. Est-ce qu'on... Oh, putain. Nique ta mère. Nique ta mère, tristesse de merde. Bon, on va aller se donner des paroles d'encouragement, vite fait. Bonjour, excusez-moi. Il faut que j'arrête d'être triste. Voilà, bon, je vous reprends quand elle arrête d'être triste. Voilà, elle est plus triste. Ah, la galère. Ils sont passés où les deux cons? Il y a l'autre pouf, là. On s'en fout, on veut juste la vaincre. Combat d'entraînement vampirique. Allez, vas-y. Je crois que c'est ça, hein. Et après, on fera avec Caleb. Demander des conseils de technique de morsure. Ça va nous augmenter le truc, ça. Combat machin. Dépêchons, les enfants. C'est bon, elle va se battre avec Lilith, là. Qu'est-ce qu'elles font? Mais... je vous laisse admirer le spectacle d'un jeu buggé en direct sous vos yeux ébahis. Pas vraiment en direct, mais c'est pas grave. Il est 6h, coconne. Est-ce que tu peux te manier? Elle va cramer. Et elle s'est fait dominer. Tout ça pour cramer en plus. Dépêche-toi. Rentre. Alors, il faudrait 5 points pour prendre la résistance au soleil. Là. Donc, on va essayer de parler avec elle de trucs de vampire. Comme ça va monter notre compétence de vampire.
Voilà, surtout ne va pas dehors, Marwa, parce que là, c'est foutu. Discuter des saveurs du plasma, raconter sa life, ouais, bon, vas-y. M'allez, là! Ça va bientôt nous mettre Steven, travaille dur. Voilà, travaillez dur, tout le monde, et puis me faites pas chier. Prochaine récompense, obtenir 4 points de pouvoir. Bah ouais, mais il faudrait que ça monte. Ça a pas l'air de monter, en fait. Ils ont pas un livre vampire, eux? Non? Moi, je vais me faire foutre, hein. Peux pas étudier. Par contre, Marwa, faut que tu boives, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle est malade en plus. Oh là 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 là, mais tu casse-cou jusqu'au bout, ma pauvre fille, hein. Elle me blase, mais d'une puissance. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Jean-Max. Bah, tant mieux parce qu'il est relou. Bon, écoute, c'est pas grave. Va le faire ton duel. Par contre, maniez-vous le derche, là. Voilà, faites votre combat. Elle a gagné. Yes. Et ensuite, vite, tu rentres. Voilà, elle a gagné, donc normalement. Et c'est bon, elle a 8 points, on peut lui prendre le soleil. Bon, bah ça fait zizir. Alors, bah du coup, on va refaire avec Lilith. Combat d'entraînement vampirique. Vas-y. Oh, cool, on l'a dominé. Super. Par contre, tu vas rentrer vite fait, ma vieille. Allez, vite, vite, rentre, rentre vite, rentre vite, rentre vite, rentre vite. Ouh, je joue vraiment avec le feu, moi. C'est le cas de le dire. Du coup, c'est cool. Devenir une grande maîtresse vampire. Buvez du plasma, utilisez des pouvoirs afin de gagner des expériences pour atteindre ce rang. Et lire l'ouvrage ultime sur les vampires. Survivre 20 jours supplémentaires en tant que vampire. Ok. Donc ça, ce sera sa dernier, le dernier truc, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc ouais, ce sera vraiment le dernier truc de ses compétences. Donc on va faire ça tranquillement. Déjà, elle va rentrer. Je vous reprends là-bas. Allez rentrer, va te divertir. Va faire du PC, c'est bien. Pouah, t'es encore triste. Putain, on peut plus de ce mec. Bon. Mais il a encore son bide, je sais pas, c'est bizarre en fait. Il est bizarrement foutu lui, hein. Bon, en tout cas, on va faire une course d'endurance. Comme ça, il va faire son entraînement. Il en est où là-dedans? Charisme 1 sur 2. Ouais, bah on verra plus tard. Et du coup, c'est ça le avoir gagné? Ok, d'accord. Et toi, aller à deux rancards. Mais elle est impossible à faire cette. Ils sont mariés, je crois. Attendez, ils sont mariés, il me semble déjà. Oui, ils sont mariés. On est dans la merde parce que pour l'inspiration rancard, regardez si je me trompe pas. Devenir adulte, être marié à son meilleur ami. Donc ça veut dire qu'il va falloir se marier. Il va falloir se marier avec Jean-Kevin, sauf qu'on est déjà mariés. À moins qu'ils aient changé ce bug, mais ça m'étonnerait. Ben, on est dans la merde. On est dans la grosse merde. Cela dit, je note que pour la dernière fois, la prochaine fois, on pourra faire un petit rancard entre Anaya et Jean-Kiki. Ouh, il mettra son plus beau survêt. Et elle, une mini-jupe léopard. Mon Dieu, quel goût. Le chiard, là. Il a envie de quelque chose. En fait, je m'en fous de toi, Jean-Max. Je vais pas m'occuper de toi. Hein. Excuse-moi, j'ai autre chose à faire. Lui, c'est bon. Quand il aura fini, là. Mais il a pas l'air du tout de maigrir du bide. Hein. Je sais pas, après, peut-être que Niska lui a fait le bide rond. C'est-à-dire que même s'il est mince, il aura un petit bidon. Un peu comme moi, comme vous, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, le bide, il est là, quoi. Quand on a le dos creux, enfin bref, voilà. L'excuse de grosse, hein, professionnelle. Et du coup, peut-être que c'est ça et qu'au final, il n'aura pas vraiment le ventre plein. Plein. Plat! Je sais pas parler! Il est minuit actuellement quand je tourne. Je ne sais plus parler. Jean-Claude a faim. Mais Jean-Claude a qu'à manger! Viens manger, Jean-Claude. Dépêche-toi. Jacqueline, vas-y, s'il te plaît. Vas-y! Oh, mais c'est buggy, oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est plantée là, on est d'accord. Bon, attendez. Je peux pas savoir à quel point ça me gonfle. Jean-Claude, viens manger! Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait tout le tour, ce con? Oh, il apporte un cadeau, le toutou! Oui, c'est bien, mais viens manger! Espèce de con! Oh, il est malade. Est-ce qu'il peut aller manger? Ah, mais c'est pour ça qu'il était buggé, en fait. Bon, tu viens manger maintenant? Ou j'ai les débugs, hein, parce qu'en fait, il attendait qu'on ouvre le cadeau, sauf que là, on s'en fout présentement. Voilà, mange. Donc, c'est bientôt l'anniversaire des gosses, j'ai vu ça. Bientôt l'anniversaire de Jean-Max, de Angélique et Gaston. Et qu'est-ce qu'a fait Lancia avant? Bah, en fait, je sais pas. Bah, Naya a eu une promotion. Bon, bah, c'est cool. Bon, on va supprimer tout ça. Fais voir le petit cadeau, là. Ouvrir. Ça nous peut faire un truc à vendre. Moi, je dis pas non, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un cube qui aide à se concentrer. Et je crois par contre que elle était malade. Pourquoi il y a de l'eau là? C'est quoi ce bordel? C'est pissé dessus ou quoi? Espèce d'andouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est parti au travail, d'accord. Travailler dur. Et le chiard là.
Il va comment le petit con là? Je l'aime pas ce gosse, il sert à rien. Communication. Bah tiens, on va booster ses compétences, on va faire comme dans le sang bébé. Rush des compétences, mon petit Jean-Max. Allez hop, babille-moi tout ça. Il est temps que t'arrives à la compétence 5 là. Ce serait marrant en vrai si on avait 5 partout, mais j'en doute. Hein. Enfin, à part le pot parce qu'on ne peut pas. Mais bon, j'en doute. Bon, en fait, j'ai rien fait dans cet épisode, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est pas grave, elle doit faire quoi elle en fait? J'ai même pas regardé. Améliorer sa compétence écriture, être drôle, avoir 100 abonnés. Atteindre, ouais, ok, super quoi. Donc, bah écoutez, on va écrire des blagues. Voilà, comme ça, monter son humour. Sa compétence humour, je sais pas lequel elle a, si elle avait malice ou humour. Comédie, si elle avait déjà comédie. Bon, bah ça, c'est cool. Du coup, ça devrait monter. Voilà, ça monte sa compétence, c'est parfait. Tous les gosses sont rentrés, lui, il a faim. Mais tu continues de babiller, enfin de parler maintenant. Allez, c'est le rush, mon petit Jean-Max, hein, il est plus que temps. Vous, j'ai vu que vous aviez ça. Donc vous allez venir me faire ça, et plus vite que ça. Non, 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 mais pas le bazar, c'est pas le moment. On va attendre qu'elle commence. C'est bon, tu commences? Voilà. Donc aider et aider. Voilà, comme ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Jean-Claude est malade par contre. Et j'ai pas envie d'aller à la clinique veto parce que je sais que je vais encore perdre mon temps. Parce que ça bug, je sais pas pour vous si ça bug les cliniques veto ou si c'est que dans mon jeu. Mais peu importe la partie, peu importe la sauvegarde, à chaque fois que je vais dans une clinique veto, ils ne soignent pas mon animal. Je suis obligée de prendre une table, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là, de prendre une table de veto pour le soigner toute seule. Parce que ça ne marche pas dans les cliniques. Donc je vais mettre ça à Elantia, elle en fera ce qu'elle en voudra. Et je vous reprends dès que j'ai posé le machin. Donc je l'ai posé là et on s'en occupera tout à l'heure. Parce que Jean-Claude est malade et c'est chiant. Bon, lui par contre, il a faim. On va le nourrir vitef avant qu'il piaille. Il doit bien y avoir un truc. Putain, il n'y a rien à bouffer. Ah! Vite, Marois, fais à manger. Servir le dîner. Des fromages fondus, et voilà. Je savais pas qu'il n'y avait plus rien à bouffer. Vas-y, continue de parler au truc là. Et normalement, on devrait être. J'ai vu. Oh, il est déjà à la compétence 4. Ça va vachement vite. Hein. On aurait pu lui ajouter un petit toboggan, un truc comme ça dehors. J'y ai pas pensé. C'est pas grave. Oh non, oh non, putain. Marois, je suppose que c'est toi. Tu me fatigues. Bon, est-ce que tu peux éteindre? Éteignez-vous d'abord. Bah oui, ça peut être pas mal, oui. Ok, on peut éteindre? C'est bon, elle a tout éteint. Ok, remplacé, génial, tout a cramé. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, meuf? T'es même pas foutue de faire des sandwichs sans faire cramer tout! Elle est con! Bon bah, salade du jardin, hein! Mais en plus, c'est dégueulasse, il y en a partout, mais c'est quoi tout ce bordel? Oh là là, ça me fatigue. Voilà, je vais laisser ça. Comme ça, Elantia va flipper. Ah d'accord, très bien. Donc elle fait ça. Aïe, 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 aïe. Bon, les gosses, continuez votre projet, là. Allez, travaille soigneusement. Bon, toi aussi, va aider, puisque tu fais plus rien. Jean-Claude s'est fait asperger par une moufette. Oui, la dernière fois, j'avais lu mouette. Mais en fait, c'est moufette. Très bien. Va te laver, Marois. Et le petit, il va venir manger la salade. Très bien. Bon, prends une portion. Et toi aussi, tu vas prendre une portion. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. S'ils sont pas trop cons. Et donc, ça, c'était le projet d'Angélique. Donc, on va lui mettre là. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'aurais été super calme et super concentrée. Génial, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. L'épisode prochain sera sur la chaîne d'Elantia. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour et des poneys. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Regardez mes autres vidéos, invités du monde, etc., etc. Bref, on s'en fout. Je vous envoie plein de cœurs et de paillettes et salut!